Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un retour de course un peu particulier. Ça faisait longtemps que vous n'en avez pas fait, donc un petit retour de course chez Phoenix, chez Franprix via l'application Phoenix du coup. Donc on a pris deux paniers, donc 5 euros pièce, qui fait 10 euros les deux. Donc tout ce que je vais vous montrer est au prix de 10 euros. On va regarder tout d'abord le premier panier. Donc le premier panier, c'est des tranchées fins à l'italienne. Des tranches de saumon de l'Atlantique élevées en Écosse, en date de demain. Des tranches de saumon rouge sauvage du Pacifique en date du jour. Une pâte à pizza de la marque Herta, qui est en date en date du jour également. Généralement, c'est vrai que les produits Franprix, ils les mettent en panier hein, la date du jour. Et une deuxième pâte à pizza également, date du jour. Donc voilà pour le premier panier. Donc on va voir si le deuxième panier est plus varié. De ce que j'en ai vu, ça ne l'est pas tant que ça. Donc voilà, il y a des tranches de saumon, donc également en date du jour. Je crois qu'en fait, on a deux paniers similaires, il me semble. On a également une autre plaquette de saumon en date de demain. Également des tranches de chambon. Je vais finir par y arriver entre les tranches et les chambons. De jambon à l'italienne en date du jour. Ah non, on a une variante. On a un pâté en croûte cocktail en date du jour. Et une pâte à pizza en date du jour. Donc voilà tout ce que j'ai eu pour 10 euros. Donc voilà, c'est fini ce retour de course. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je trouve que c'est pas mal en termes de valeur de produit. Après, c'est pas très varié. C'est jambon et saumon, quoi. Et pâte à pizza, quoi. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!